Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On se retrouve avec Katox qui je crois essaye des carreaux explosifs. Ah non, il force des voitures. Bah oui possible. Mais évidemment c'est le seul moment où je trouve plus de zombies quoi. Dis bonjour Katox. Bonjour. Bonjour Katox, voilà. Non, voilà. Mais je ne dirai pas bonjour tant que j'ai pas tué mon zombie. Donnez-moi un zombie. C'est vrai que c'est quand même ballot de pas trouver de zombies. Écoute, ah oui, on va rentrer dans un Hydra Pass en journée, je pense que tu vas avoir l'occasion de jouer avec. Bah, j'espère bien. Il y a un trophée de course dans ce bus. Si tu veux. Un bus de course. Ah, il y a un petit cri sympathique. Vous entrez dans le nid. Forte activité de rapace. Ça sent tellement le coup puant. La déco est fait avec goût. En tout cas les petits bruits et tout sont quand même cool hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah c'est toi qui cours dans l'eau. D'accord, très bien. Mais même dans le niche, y a pas de zonzon. Après, ah c'était si. Scripté pour la quête. Hein. ça a fait quelque chose. Hein. Ah oui, c'est du petit zonzon. Ça n'a pas l'air hyper efficace vu le boucan impliqué par rapport au carreau standard en tout cas. Mais c'est drôle. Enfin, j'arrive même pas à viser tellement ça explose de partout. Quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tape là? Ah putain, y'en a un qui me tape. Bon, pour l'instant, pas de rapace en vue. Quelque chose me dit que vu qu'on a plus de tout de munitions, si on tombe sur des rapaces, on va pas faire les malins. Ah oh, ouais, mais c'est passé. Oui. Et confiance en l'âme des cartes. On va crever lamentablement les magnifiques. C'est positif. La partie n'est pas terminée tant qu'il y a encore une carte à jouer. Yugi, l'âme des cartes, Yugi. Super, j'ai trouvé une faute campagnarde dans ce coffre. Ça valait bien le coup de m'emmerder. Pendant ce temps-là, Katox est parti explorer la zone. Moi, s'il meurt, il mourra seul. Je décapite. Quel moment elles se sont dit, tiens, si on prenait un tunnel rempli de rapaces pour aller en ville. Bah surtout un tunnel plein d'eau, parce qu'après on sort du tunnel, t'as les godasses trempées, faut encore marcher tout ça, bonjour les ampoules. Hein. Elles ont vraiment pas l'esprit pratique. Certes. Ah là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus décoratif, feng shui. Ma lampe c'est non, mais absolument pas. Aïe, j'ai trouvé le rapace, au fait. Ah putain. c'est... Voilà, il m'a trouvé aussi. Attention, il est juste devant moi. Ouais, mais il y en a un paquet en plus. Voilà, j'en merde, raconte. Merde. Ah, putain. Le fumier. Ah, mais la vache. C'est des sales bêtes, hein. Il y en a un deuxième, juste derrière. On va recharger dans le doute. J'en reviens. C'est la panique. Mais non, pas la panique. Poursuite évitée. Très bien. Sois positif, tu mourras bientôt. Attends. L'avantage, c'est que le fusil à pompe dans un couloir reste un must-have. Ça, monsieur 80 fusil à pompe, il se la pète. Quand je décapite ses potes, visiblement il s'excite. Il est ouf. Ah putain. Recharge débile. Recharge. Putain mais. Sans déconner quoi. Ah. Fumier.
Bien joué. Bonne idée, j'oublie tout le temps cette foutue lampe. Il va tout utile. Ah bah je fais ce que je peux mais... Yes. C'est bon. Putain la vache quoi. Bon bah j'ai plus que 2 balles dans mon chargeur. Je te préviens. Je vais pas aller loin avec. Faut pas hésiter à fouiller tout ça. Alors attends, est-ce que j'ai la lampe d'équiper? Parfait, équiper la lampe. Poursuite évitée. Un peu plus qu'éviter là, hein. M'excusera le jeu, mais. Bah, il en reste un, hein. On le voit là-bas, là. Derrière le gros tas de saloperies. Il y en a même deux. Faut faire un tour dans le tunnel, c'est un bon plan. Est-ce que t'es mort? Mais. Mais ils sont combien? Je sais pas. Ah, mais je sais. Où est la porte? Où est la porte? C'est bon. Vas-y, je te couvre. C'est bon. T'as des carreaux explosifs ou pas sous la main? Ils passaient derrière ou? Non, non, ils sont toujours là. On a réussi à en tuer un. Yes! C'est efficace tes carreaux. Enfin, je sais pas si c'est les carreaux standards ou pas, mais. Non, je crois que quand tu vises en pleine tête, ça one shot. Mais il faut vraiment viser en pleine tête parce que. One shot, c'est peut-être pas le mot, mais ça fait le taf en tout cas. On va se soigner un coup, hein, au cas où. Ouais, surtout qu'il y en a encore. Ouais, moi j'en vois 3 derrière. 2. Oh, mais. A mon avis, il y en a plus ou moins un nombre. Pas calculable. Alors là, on lui aura mis 2 headshots, 3 headshots et il est mort. Ok. De justesse. Ah putain. Ah la vache, j'ai même pas le temps de recharger quoi. Costaud celui-là, hein. Il s'en fout complètement de notre lampe quoi. Ouh, le headshot qui passe. Niveau de légende atteint. Merde, il y en a un qui nous a repéré, gaffe. J'ai quasiment plus de kit de soins, c'est très désagréable. Ah bah, tu veux qu'on recule dans le... Ouais, je pense qu'un petit repli stratégique s'impose là. Ma lampe s'est éteinte en plus. J'ai gagné un niveau de légende, je vais aller voir un petit peu ce que je peux faire. Ce que je peux faire avec. Qu'est-ce que je peux faire avec? Aventurier ardent, tenue de. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Arme à une main. Augmente les dégâts avec une arme à une main. Arme à deux mains, arme à feu. J'espère que dans le vraiment ils remettront ce menu de craft assez. Plus pratique. Ok, 10% de plus de dégâts avec les armes à feu, même si on en a pas, ça pourra servir. Tu le trouves pratique le menu de craft? Non, justement, j'aimerais bien qu'il le fasse pratique. Oui. C'est que le temps de craft soit là, parce qu'en plein milieu du truc, c'est genre en 30 secondes te faire popper 50 kits de soins, d'accord. Mais tu vois, au moins dire je veux en craft 50 et que t'aies le temps qui s'adapte. Ouais, c'est ça. Ou un petit truc de recherche, tu vois, histoire de dire allez hop. Je trouve mes plans, je trouve mon kit de soins, ça va donc juste scroller 100 ans. Bon, combien il en reste? Toujours 2. Trois, putain, il y en a 3, il y en a un en haut là. Merde. Enfin ouais, on l'a one shot, c'est mon plan, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont repérés, ils sont vachement plus résistants. Quoi. Putain, comment il m'a couché lui? C'est bon, je réussis à me nettoyer, je t'enlève. Il m'a mis à terre, il m'a foutu une baffe, deux baffes, moi j'étais là genre mais. T'avais pas appuyé sur F pour le repousser là? Si, justement. Mais c'est le temps que l'animation se relève, lui il m'avait déjà collé deux baffes. Ah mais non, mais sérieux, il y en a qui se lèvent de nulle part quoi. C'est abusé. Là je l'ai vu, il était pas là et il s'est relevé de nulle part quoi.
Ah mais c'est parce qu'on est près du nid, non? Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. Ouais, oh, c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est que si on arrive vraiment à les surprendre, au moins ils... En fait, on était juste... On était juste avant le nid qui les épop, quoi. C'est ce que je vois. Donc faut se souvenir, l'espèce de gros tas de chair à la con, là... Ça sert à ça. Un cocktail molotov. Il y en a encore un qui les fait pop là. Ça y est, t'es mort. Putain, t'es pas mort encore. Hein. Non. Ça y est, on est pas comme sûr. Ah putain. D'où il sort ce con? Il est où? Esky, c'est Crane. You know that path into the city you were gonna use? It was filled with volatiles. Holy shit! So are they gone now? Yeah, I cleared them out. It should be safe for you. Wow, thank you. We're packed and ready to go. Est sûr que je veux partir pas. Contact me once you're safe in the tunnel, okay? I won't tell your old man anything for a while in case you've changed your mind. Quoi, je peux pas ramasser le munition de pistolet? Bon, ok, ça doit être pistolet mitrailleur ou un truc du style. Faudrait que je trouve un pistolet mitrailleur. J'aurais dû garder en fait celui qu'on avait trouvé là. Même s'il était pourri. En cas de besoin, ça peut être utile. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jour, c'est fait. Les quêtes les plus proches restent loin. On va rallumer la lampe. Il nous reste du coup... J'ai plus du tout de balles. Je sais pas si toi il te reste des munitions ou quelque chose, mais... Bon, rien, mais on peut... Il y a des endroits où c'est les avant-postes militaires, on peut y passer. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on s'en trouve un. Ça ou un lieu de pillage. T'es fort pour ça, si tu veux, je te laisse gérer la strat. C'est pour récupérer l'essence. Ouais, bah là, j'avoue qu'il n'y a pas un camion qui m'en a filé de l'essence. Donc... C'est un peu la loose. Hein. Quitter la zone sombre. Yes. Merci. Et en plus, il fait même pas encore nuit. Ça ne saurait tarder. On va peut-être même pouvoir... Ça, ça a déjà fouillé. Retrouver notre voiture. Là, il y a un truc à mon poste militaire. Vas-y, je te suis. Je te dis, c'est pour ça que t'es forte. On va peut-être se mettre un petit coup de soin en passant. Il faut qu'on tomberait sur un os. C'est pas comme si l'avant-poste militaire avait souvent des militaires. Au moins, ils se défendent pas. Ah bah, cela dit... Le fait est que pas vraiment. Ouais, une pièce de moteur level 5. Ah, une caisse à ouvrir. Donc, Katox galère. C'est bon. J'ai ouvert une caisse Silas derrière toi, si tu veux. J'ai ouvert une caisse militaire. Pas oublié de fouiller les voitures militaires, elles donnent plein de trucs intéressants. Ouais, t'inquiète. Des munitions, les fusées
ça c'est un peu plus passable on va dire. Et bon, le deuxième, enfin, troisième ou deuxième cassette ouverte. Le troisième. C'est plutôt calme, hein. On vient de buter un hydra base, donc bon. Ils sont calmés pour la soirée, hein, là. Merde. On va tout recharger au cas où je l'équipe un jour. Hein. Au moins. Le chargeur se rappela vite par accident. Il y a un démolisseur là-bas qui s'excite. Je fais les voitures pour faire les plein de pièces. Pareil, ouais. Ah, ça commence à vibrer. Tu sens que tu te rapproches du démolisseur quand te... Ouais. En fait, j'ai des méga fort pour vite enlever des vis comme ça. Il faut au moins des minutes, hein, moi. Écoute. La première vis qui passe à l'arrache. Tiens, on peut l'ouvrir ce coffre. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Des cosmétiques et des cigarettes premium. Parfait. Tu tiens à ce qu'on se le fasse, c'est ça? Aïe. Je me demande si le camouflage ça marcherait contre les rapaces. Ah mais t'es pas mort toi. Carreau d'acier dans la tête ça suffit pas de tuer. C'est bon à savoir. Mort ou... Non, il est pas mort. Il a voilà. Joué de la stratélite. Un petit carreau et c'est bon. Juste ça a vraiment fait le petit carreau qui passe d'une tempe à l'autre, c'était beau. Ah. Ma montre me dit que ça va être la merde. Quoi? Ah, parce que la bip bip le soir. Ouais. Exactement. Cela dit, il y a l'air d'avoir vaguement des lumières bleues là-bas à l'horizon. Ah putain, il y en a un qui nous a repéré. Ouais. Cache. Quoi? Où ça? Oui. Tu vois? C'est très bien, la zone bleue là-bas, tu vois, le premier arrivé, il survit. Salut! T'en fais pas, je dangerai ta mort. Voilà. Je suis sur tes fesses. Je sais pas où l'entrée. Ah, c'est celle-là. L'enfer, faut passer par au-dessus. Aïe. C'est bon. Un de mon stock, y'a pas mieux. Bah mec, c'est super, t'es où? Allez, si tu proposes. Si tu proposes si gentiment. Qu'est-ce qu'ils vendent d'intéressant? Hache de pompier. Bof. Masse aplatie. On vire. Anything you need, I got it right here. On vend tout. Ça, on s'en fout. Une fusée pour créer des zones sécurisées. Mine de rien, ça pourrait être utile. Hein. On sous-estime la puissance, mais ça nous a quand même bien aidé. Hein, la lampe UV. Hein. Ah, ouais, ça. Ah, le bonheur du matin. Avec un petit déjeuner. Alors, c'est où pour faire apparaître les bagnoles? À l'intérieur. Le fameux véhicule de rappel, le bien nommé. Alors, ça faut réparer. Ça faut réparer. Cette pièce ne peut plus être réparée. Ah. Diantre.
Ouais, ça ira. Où est-ce qu'on va? On se fait la collectionnite? Ouais, ici, il y avait un point qui était exploré. J'y étais pour voir. Pas l'air de... Bon. Bah, on doit prendre du tunnel, du coup, vu qu'on est pas loin. Bah, écoute, j'ai envie de dire que oui. On va suivre. Sauver la dondelle. Qu'est-ce que tu fais? Un burn. Un burn? Ouais. Très bien. Voilà, c'est tout. C'était la classe. Brutalite. Écoute, hein. Et les moteurs, ils ont repas. On peut de nouveau les fouiller. Il a de nouveau trouvé une vis. On peut de nouveau crocheter cette serrure. J'entends quelque chose qui crie là. Putain! Je peux vraiment me protéger pendant que je crochète les serrures. Et t'es où? C'est la serrure que t'as crocheté tout à l'heure en plus. T'avais crocheté celle-là? Bah oui, j'étais en train de te rattraper en lançant la, l'épisode. D'ailleurs non, on n'est pas encore à la fin de l'épisode. Bon alors qu'est-ce qu'elle a foutu machine? Elle s'est aussi convertie en, en hydravas. Ce serait ballot. Évidemment parce qu'on y va en journée. Écoute, il y a quelqu'un qui a tenu à ce qu'on passe la nuit alors. Il y a un truc rouge. C'était un vrai zombie ou c'était de la merde? Bah, ouais, c'était vraiment un petit zombie de merde quoi. Non, c'était pas sa, c'était pas sa meuf avec la chemise. Ah, c'est vrai que tu l'as décapité, mais sa chemise a l'air. Alors, t'es contente? Heureuse, hein? Ravie de tes yeux aussi. Merde, comment on lui parle? T'ouvres la porte. Oh le mec. She just turned right in front of me. But aren't you people immune? She wasn't a part of this fucking cult. Nobody here accepted her ever. Yeah, but when did she get bitten? Didn't you know about it? It must have been on the way to the campground. I would have known if it had happened before that. Look, if it helps any, there was nothing you could have done. No, Kyle. That doesn't. Just get your things. I'll take you home. Home? Are you crazy? I can't go back now. It would make everything pointless. Esky, come on. Kyle, listen to me. If I go back, I'm trapped. I can't accept that. I won't. Jesus. All right, well, listen. Go. Be careful. Okay, this tunnel should lead to Old Town. I'll ask my friend Troy to... Ça sent le pâté. On l'a trouvé. Mais faut encore en... lui parler. Encore? Bah je sais pas, la quête a l'air de pas avoir avancé plus que ça. Peut-être ressortir du truc. Voilà. Ah ouais, bien vu. Dire à Jazir qu'Exy est parti. Quelle bonne idée. Il risque pas du tout de mal le prendre. Non. On va lui dire que voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas réussi à la. Lena. Elle a fait changer d'avis. Lena, are you there? Kyle, you're breaking up. Any luck with finding the immunity drug? Listen, there's a hidden tunnel. I think it opens up in southern Old Town. There'll be a girl passing through it soon. Could you ask Troy to keep a lookout for her? Crane, that's not why you're there. We're losing people here. I know, and I'm getting closer. Just help this girl, okay? Her name is Esky. All right, but please, Kyle, find a way to help.
Rien qui part aider les gens, il trempe encore plus de gens de la même mec. C'est... ouais. Alors, le rassemblement. Allez voir Jazir, continuez à aider les enfants du soleil. Dites à Jazir qu'il est parti. Bah, globalement, on pourrait se faire la collectionnite, c'est ouf. Ah, c'est Adam. C'est bon, bah, on suit l'autoroute, non? Ouais, allez, go. Ça, l'autoroute. Quoi, ça, l'autoroute? Là. Bordel. Pourquoi j'ai voulu faire comme si je te suivais? Oh, encore un démolisseur, on va démerder pour ça. Oh, c'est juste à la fin. Fuck. Passer par là. Suivre l'autoroute, mais d'en bas. C'était quoi ce délire là? Qu'est-ce que t'as foutu, voiture? Ah merde, putain. Je vais passer. Ça passe. Wow. Oh, la madame. Je vais te faire toute la longueur en restant sur l'autoroute. Hein. Ça passe pas là. Ça passe absurde. Moi, tout est passé, c'est bon. Passer de l'autre côté, je pense que ça doit pouvoir se dégager, ça. Arrivé jusqu'à la case. Ça passe pas. Ça. Pourquoi tout à l'heure j'ai pu les dégager et celle-là je peux pas les dégager? C'est ça la question. Descendre par là, à la trache. Là, hop là. Pas du tout sûr et dans le bon sens. Mais... c'est plus ou moins la bonne direction. Bim. Cassez-vous. Normalement, je devrais pas être trop loin là. Ouais, je commence à te voir sur la map. Un peu cette petite pente. On descend cette petite pente. Ah mais on est revenu en ville. Ok. Bon. Ah tu t'amuses sans moi. C'est pas cool. Pas te relever, t'as plus de jambes. Reste par terre. Alors, toi t'es pas mort toi. Non, non mais sérieux? Non, faut mourir monsieur. Excuse-moi, est-ce que vous voulez bien mourir? Non, mais c'est gentiment. Une petite boîte. T'as réussi à crocheter un truc, je... Ouais. Et pour ça, j'ai du café. Alors, c'est donc ici, Shadan. Une petite caisse à crocheter là. Une machette militaire unique. Ouais, ça fait zéro dégâts. Comment rentrer? Bon, toutes les portes au rez-de-chaussée sont verrouillées. La surprise est totale. Sur le toit, il y aurait quelque chose.
fenêtre ici, il y a peut-être le petit truc là. Non. Par le sous-sol. Ah, peut-être par là-bas. Par où? Non, non, il y a un petit balcon avec une caisse dessus, mais a priori pas d'entrée. Je vais déjà tester. Ouh, une épée longue impitoyable. Oui. T'as vu ça où? Dans la caisse, j'ai trouvé ça. Oh, j'ai une dague redoutable. Une dague, classe. Peut-être essayer de rentrer par un truc à côté ou un sous-sol. Ouais, non. C'est encore fermé ici. Ah, ah, ici. Si je te couvre. Bon, déjà, on pourra entrer par là. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. C'est clair, ça, après. Ça sert à quoi? Il y a peut-être vraiment quelque chose derrière ça? Non, c'est en dehors. Ce serait pas ça ici? Bah non. Il y a un truc au toit? Non. Ça sent. Ah, il y a un truc au sol. Ah, bien vu. Force de casser toutes les caisses là. Non. Ah! Je l'ai pas rattrapé. Ça c'est fait. Mais j'ai eu le zombie. Il y avait un zombie? Ouais, là. Ah ouais. Mon sacrifice n'était pas vain. Ton sacrifice n'était pas vain. Ça on peut pas l'ouvrir. Voilà, je monte ma frustration. Bordel. Mais. Eh, dis donc. Ah oui. Putain. C'est bon, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? On l'achète, on va la prendre parce qu'on commence à être un peu en déj de d'armes. Pendant ce temps-là, tu ouvres les caisses qui n'ont pas besoin d'être crochetées? Globalement, oui. Ah, il lève son arme. Il y a quelque chose dans le quelque part. C'est encore un taré ce mec là, c'est quoi sa baraque? C'est un piège ça? C'est juste un truc qui pend. Ouais, toi aussi t'as eu un doute. Il ressemble pas à un zombie au moment où il est mort. Ah, c'est accroché, je te la laisse. Et ce n'était pas par ici. Échec. Bah, y a une caisse au moins, écoute. On sent que les zombies ont aimé l'explosion, là, ils hurlent un peu dehors. Ouais. Du café. Ah bah en fait. Hop, j'ai trouvé le zombie. C'est fort urbain. Mener l'enquête. Cher voleur, je ne sais pas qui tu es, mais je suis content que tu aies trouvé cette lettre. Je sais ce que tu fais ici, c'est pour mes armes, hein. C'est toujours pour mes armes. Je savais que je ne pourrais pas emporter mes beautés avec moi de l'autre côté, mais ce serait bien dommage de laisser n'importe qui les voler. Alors j'ai lancé un petit projet. Est-ce qu'enfant, tu cherchais des trésors cachés? Si personne ne les aurait cachés, il n'y aurait pas eu de trésor. Alors j'ai imaginé ce petit œuf, j'ai laissé des indices tout autour, amuse-toi bien. Parfait. Pourquoi c'est tout gris d'un coup là? C'est que moi. Ah, oh, parce qu'on va faire l'enquête. Ah, mais putain, il y a un mec là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah oui, d'accord, on a vraiment... On est en mode, je sais pas, Sherlock ou... Bah oui, Billy.
celle d'avant. Un trophée de course. On commence par ça déjà. Dwayne, Whiskey. Cette enquête m'a remis jusqu'au tréfonds de moi-même. J'ai vu la mort. Non, faut que t'arrêtes là. Oh. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont vu Doctor Who là, ils sont pas à l'aise. C'est un truc que j'ai jamais vu, Doctor Who. Ah bah, du coup, t'es à l'aise en regardant cette petite statue qui est là, mais tous ceux qui ont vu Doctor Who ne sont pas à l'aise. On va déverrouiller la porte, ce sera fait. Alors, chercher des indices dans l'appartement. Un indice. Voyage camping en famille, frappé par une catastrophe au milieu de la nuit, comme l'ont découvert les campeurs de la petite île rocheuse abritée de granit frelons qui ont été dérangés par la pause pipi d'un des visiteurs. Le pauvre campeur est mort d'un choc anaphylactique. Intéressant. Je sais pas si on peut appeler ça un indice, très honnêtement. Ça dépend, Watson. Qu'est-ce que tu considères comme un indice ? Bah écoute, là il y a plein de trucs posés partout. Le jour d'après, ils se réveillaient vers l'ouest, ils repartaient du lit rocheux de la rivière, ils firent une immense découverte. Devant leurs yeux, sur une colline, ils virent les eaux s'ouvrir, et dans la grotte d'une fillette morte, un cœur, ils l'entendirent. Ok. Seems like I've seen a hill rising from the water before. Could be that. Courez les garçons, courez, mais vous ne pourrez pas vous échapper, c'est un fantôme du passé qui veut vous égarer. Un pieu au souhait, ils s'arrêtèrent au milieu du décor bien caché, mais aussi profond que la route des enfers, aussi sombre que minuit passé. Washing well inside a cave that's hidden in plain sight. Well, that's clear as mud. Voici pour vous une histoire qu'il est bien triste, il est vrai, car il s'agit d'un corps, vous allez voir, 6 pieds sous terre enterré, donc de nuit ils se sont mis à creuser sans jamais s'arrêter, mais ce que sur ce corps ils ont trouvé sur place, okay, ils auraient dû laisser. Guess I have to head into the cemetery. At night. Great. Parfait. Il y a des peintures là ici, dans le coin. Ah oui, bien vu. Le cimetière de nuit. Aucune raison de. Ouais, on est d'accord, hein, ça me paraît tout à fait légitime. Bah évidemment. Élémentaire. Cette maudite peste n'a pas beaucoup dérangé les insectes du coin. Ce matin, mon garde-manger était envie de fourmis. Je ne peux pas aller à la droguerie me procurer du répulsif. Cela dit, même si j'avais pu, il m'en aurait pas en stock. Ça me donne envie de bouffer ces saletés assises. C'était probablement pas un indice, ouais, je suis d'accord. Continuons d'explorer cette baraque maudite. En plus, on n'a même pas de jauge de vie, quoi. Madame, monsieur, ce n'est pas sans une certaine impatience que je me permets de vous rappeler que la conduite principale de gaz entre mon domicile et votre usine a été coupée. Je ne suis en aucun cas responsable de tous les gaz qui a pu se répandre dans l'environnement entre ici et là-bas. Je n'ai pas non plus l'intention de payer cette facture ridicule. Vous pouvez donc, tout en tant que vous êtes, et pardonnez-moi l'expression, vous la carrer bien profond. Un des habitués du pub local, parent je crois d'un certain Tom, a accepté de réaliser pour moi l'exploration du cimetière, pour un prix élevé bien sûr. Je n'ai pas d'autre choix que de le payer et j'espère qu'il en reviendra vivant. Découverte d'une nouvelle référence au phare, il aurait été construit en 1347 mais se serait effondré lors d'une tempête de 1462 avant d'être reconstruit. Je me demande s'il reste encore quelque chose de la structure originale, mais c'est certainement vain car je n'ai pas l'équipement nécessaire pour creuser. Alors s'il a été planqué ces trucs dans le vieux phare quoi. Ouais, les amis un peu partout en somme. Ouais, on a plein de quêtes qui sont activées là. Trouver la grotte cachée sous le phare. Et a priori on n'a pas trouvé tous les indices, hein, parce que ça continue de nous dire chercher les indices. Ah moi j'ai le passage... Ouais mais il y en a deux, rien. Ouais. On a la mer de vue d'en haut, la grotte cachée sous le phare, le lit rocheux, la grotte sous l'arbre mort, et on a toujours la collectionnique, chercher les indices dans l'appartement. Donc on a probablement pas trouvé tous les indices et pas trouvé tous les lieux. Alors moi j'ai pas fouillé le rez-de-chaussée, peut-être qu'il y avait des trucs au rez-de-chaussée. Les trucs aussi sur ah le si. Sol. 6 pieds sous terre. Il en reste encore ici. Ouais. Des trucs sur le sol. Bah j'ai trouvé un. Ah oui putain, ouais j'avoue. Ok, j'ai fouillé le rez-de-chaussée. La lampe s'est éteinte je crois.
préviens pas quand on ouvre des caisses, c'est pas gentil. Quoi? Ouais, y'a plein de caisses ouvertes ici. Ça c'est ouvert, comme ça au moins ça sera fait. Bon, au rez-de-chaussée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ou alors ça va se désactiver si on sort. On va essayer de sortir. Non, ça reste actif, très bien. On a dû en zapper un quelque part. Ouais, il doit y en avoir un quelque part planqué sur un mur ou un truc du genre. Ne dites rien les viewers, hein, on fouille. Ça on avait lu, tout ça c'est bon. Ah! Ah, j'ai trouvé le dernier. Il était là. Bien joué. Parler d'un puits profond en bas de la statue. Je savais qu'on allait devoir sauter dans ce machin. D'office, tu vois. Examinez les indices trouvés. Dans le machin. Ah, tu penses que c'est. Ah, le grand puits là. Ouais, je suis pas sûr. Oh, si, si, t'as un truc qui l'indique pile poil. Ah, ouais, effectivement, ça a l'air d'être là-bas, ouais. Hé hé! Alors, ce serait lequel le plus proche? Le phare, je crois. Détruisez le nid de rapace. Où est-ce qu'ils sont? Putain, ils apparaissent pas, faut que je les active. La mer vue d'en haut. Suivez l'indice. Ouais, le phare est pas très loin. Oh, mais de toute façon, faut absolument qu'on arrête l'épisode, il est beaucoup trop long. Du coup, on va s'arrêter là et on va choisir où on va aller. On se retrouve lors du prochain épisode. Merci à toutes et à tous. Salut.